Les jours passèrent depuis mon naufrage sur sur ce putain d'endroit, devrais-je dire plutôt. Je suis toujours à la recherche de mes amis, de ma famille, ceux qui étaient avec moi sur le bateau, mais je n'ai aucune trace. Je sais même plus quel jour on est, quel mois on est. Ça fait 10 jours et 10 jours que je marche à la recherche de survivants, de personnes vivantes. Je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé une carte qui indiquait cette île. Du coup, j'ai décidé de traverser à la nage et je dois avouer qu'il fait quand même vachement froid. Du coup, j'ai décidé de me faire un petit feu et de me mettre à côté histoire de me reposer un peu. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Je vais boire un petit coup. J'espère trouver des traces de survivants ici. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je sais qu'il y a une deuxième île encore à proximité de celle-ci. Mais la chose que je suis sûr, c'est qu'ici je trouverai forcément quelque chose. J'ai l'impression de devenir fou. C'est glacé. Absolument glacé. Putain. Je crois que je trouverai quelqu'un. J'ai entendu des coups de feu l'autre jour. J'ai entendu des coups de feu et j'essaie de me rapprocher. J'ai trouvé un corps et je suis peut-être pas fier de ce que j'ai fait, je dois avouer, mais je me suis servi sur lui, ce qui m'a permis d'avoir de me changer déjà, d'avoir des habits un peu plus costauds, un plus grand sac. Je suis vraiment pas fier de ce que j'ai fait, mais j'avais pas le choix. Je n'ai toujours pas de traces de survivant qui m'a enfermé l'autre jour. Aucune trace de rien du tout. J'entends juste des tirs parfois la nuit. Alors j'ose même pas sortir. Quoi qu'il en soit, j'espère trouver mon frère ou mon cousin. Je suis persuadé qu'un des deux est au moins vivant. Où est-ce que je suis ici? Qui est donc cet endroit? Je commence sérieusement à me l'épeler, il fait nuit, il commence à faire très froid. Et j'ai pas envie de crever de froid. Ça ressemble à une prison. Ou à un camp militaire peut-être. Peut-être que je pourrais trouver des informations sur tout ce qui s'est passé ici. Je suis même persuadé qu'il pourrait peut-être même y avoir un survivant, pourquoi pas. J'ai commencé par cet hangar, voir. Peut-être que je trouverai des traces de quelque chose. C'est quoi ça? J'ai l'impression de devenir fou. Voilà que maintenant je me mets à parler tout seul. Je me mets à parler à moi-même. C'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que je mangerais bien? Un bon petit plat, putain. Une bonne tartiflette là. Oh putain. J'ai l'impression que ça fait des années que je suis ici. Tellement que le temps, tellement que ça me paraît long en fait que je sois ici. J'ai pas de montre, j'ai rien, je sais même pas quel jour on est, quelle heure il est, je sais rien du tout. Je dois me fier au soleil. Y'a quelqu'un? Il n'y a personne. Toujours personne.
tout cas. S'il y a des survivants, j'ai plutôt intérêt à faire attention parce que. Comme. Je sais pas, ils se tuent entre eux, je trouve. Quand j'entends des tirs, je me dis que c'est peut-être pas que sur les zombies qui tirent. Oh! Les balles, je prends. Et 15 balles dedans, ça je prends aussi. Par contre, ce que je peux faire. Ce que je vais faire vite fait. Je pense que je vais m'installer ici. Je vais vider quelques chargeurs. Je vide quelques chargeurs. Comme ça, je garde que les balles sur moi. Ça prendra peut-être moins de place. Voilà. Une fois que le chargeur sera vide, je pourrai le jeter. Donc je sais ce que je vais faire. J'en peux plus là, il faut que je trouve quelqu'un. Je vais devenir fou. Ça me rend dingue. Je me mets à parler tout seul. J'ai peur toute la journée. Tout ça pour une putain d'histoire de pêche, quoi. Absolument personne. Il y a trace de rien du tout. Rien. J'ai beau chercher, je comprends pas ce qui s'est passé sur cette île. J'ai beau trouver des signes, je sais pas, il y a peut-être eu un papier pour dire qu'il fallait évacuer, quelque chose comme ça, je n'ai rien trouvé. Une gourde. Ah putain, ça va faire du bien, ça va faire beaucoup de bien. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Ah, ça me sauvait la vie, ça. J'ai bien cru que j'allais y laisser ma peau l'autre fois d'ailleurs. J'ai pas trouvé d'eau pendant un long moment, du coup j'ai dû boire l'eau de la rivière. J'ai mal de bide depuis. Mais vraiment, ça m'a démonté. Voilà. Il n'y a absolument personne, il n'y a rien, je vois absolument, réellement personne. Les deux seules personnes que j'ai vues, c'est celle quand je me suis réveillé au bord de la plage, la personne morte. Et celui que j'ai vu... celui que j'ai vu tomber il n'y a pas longtemps. Enfin, il n'y a pas longtemps. C'est plus compliqué à savoir réellement la notion du temps par ici. En plus il pleut, il fait froid toute la journée. Ça me rend vraiment fou. J'ai l'impression de perdre la tête. Je me parle à moi-même. Ah, je suis peut-être devenu fou. Je n'ai aucune explication. Aucune trace de mes amis. De ma famille. De personne. Seul. Ça permettra peut-être de pas me perdre. Un ordinateur. Il est cassé aussi, bien évidemment. Il n'y a rien ici, il n'y a absolument personne.
Je vais boire un coup. Wow. J'ai pété la gagne des escaliers. Attendez, j'entends un bruit. Et ça par contre, c'est sûrement un infecté. Cet endroit quoi, c'est une prison peut-être. Peut-être que c'est la fameuse prison dont j'ai pu lire sur la carte. Je pense pas que je trouverai grand chose dans une prison. Mais après le chemin que j'ai fait, je vais le fouiller cet endroit. Ça, c'est moi qui vous le dis. Regardez, j'ai traversé tout ça. Ouais, je pense ça, on sait jamais. Je trouve trace de rien du tout, ça me rend dingue en fait, ça me rend vraiment fou. Une arme. BK-18. Que ce soit, je vais pas m'encombrer encore plus. Que si je dois tout retraverser à la nage, que je ne galère pas trop non plus quoi. Mec. Par contre, j'intérêt voilà à rester sur mes gardes, car qui dit prison dit forcément beaucoup beaucoup d'infectés à mon avis. Ils ont peut-être pas eu tous la chance de s'enfuir. Ça a dû être un sacré bordel. Vraiment, ça a dû être un sacré bordel par ici. J'en ai repéré un ici. C'est... Béret, ça j'en ai pas besoin. Je vais essayer de m'approcher de celui-là lentement. Putain. J'aime pas faire ça parce que je me dis peut-être qu'ils sont encore vivants, j'en sais rien. Peut-être que c'est une fucking maladie. Peut-être passagère. Mais après ce que j'ai vécu l'autre fois, j'ai pas le choix. J'ai vraiment pas le choix de les abattre. C'est ma seule solution de survie. Pardonne-moi. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Je n'avais pas le choix. Eh oh! Y'a quelqu'un? Y'a un survivant? Je me suis échoué il y a quelque temps, ici. J'aimerais savoir s'il y a des survivants, s'il vous plaît. Ne dites pas que je suis seul, putain. Putain. Je crois que je suis absolument seul. Je vais devenir fou, putain. Je vais devenir fou, y a rien. Y'a rien, putain. Y'a rien. Tout est vide, tout. Tout est vide. Il n'y a rien. Je perds mon temps ici, je perds mon temps en tout. J'ai l'impression que même quand je marche, ça sert à rien. Je sais même pas si ça vaut le coup de continuer à vivre. Je trouve même pas de bateau, je trouve rien du tout. Je vais m'en sortir, je sais pas du tout.
même pas si je m'en sortirai. Franchement, il n'y a rien, il n'y a absolument rien ici. Rien du tout. Tout est vide. Tout est infesté de ces infectés. C'est une fucking prison là, c'est une putain de prison où c'est lui, je peux rien trouver. Et puis à mon avis, ils auront déjà tout mangé. Tout le peu de nourriture qui est resté. Putain. Ah, c'est ça qui me piquait alors. C'est ça qui me piquait, putain de merde. Je suis venu ici pour rien. Enfin, je suis pas venu ici vraiment pour rien. J'ai réussi à trouver un gilet pare-balles, quelques trucs qui m'ont aidé à me soigner. J'ai aussi ramassé ça sur le mec. C'est peut-être mieux que rien. Voilà. Bon, au moins j'ai quelque chose. Et j'ai une arme pour me défendre. S'il y a des survivants qui cherchent à m'avoir, ce qui m'étonnerait même pas, peut-être qu'ils sont tous devenus fous. Le peu de survivants qu'il y a, peut-être qu'ils sont comme moi, qui sont en train de péter un plomb de devenir complètement malade. L'autre fois, j'ai trouvé une maison avec un papier sur la table. Toute une famille s'était suicidée. Ils avaient 3 enfants. Ils se sont suicidés. Peut-être que je devrais faire de même. Je sais pas du tout. Mais j'abandonnerai pas maintenant. Je continue à croire qu'il y a un des membres de ma famille qui était sur le navire qui a survécu. Je peux pas être le seul, c'est impossible. Pas être le seul, c'est sûr et certain. Ah, j'en suis quasiment sûr. Je n'ai pas trouvé un seul véhicule non plus, un seul véhicule qui fonctionnait. Pas de vélo, pas de radio, pas de télé, rien du tout. Torche, j'ai une de la torche. Il me reste plus qu'à retraverser. Voilà tout. Je suis venu ici pour rien. Je pense à ces personnes qui sont mortes dans la prison, enfermées, sans personne pour les aider. Ça devait être une mort atroce. Elle est extrêmement froide. Elle est extrêmement froide là. Je pense que je vais couper du bois et me refaire un feu. Parce que si je dois retraverser tout ça, ça va être vraiment la merde.